Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on est à nouveau sur un petit déj de folie. Aujourd'hui elles nous ont fait d'ailleurs des halcha. Je crois que si je le prononce bien normalement c'est ça. Des petites galettes à la semoule. Toujours du bon pain, toujours d'excellent jus d'orange. Des fruits, du fromage, enfin tout ce que j'aime en général quoi. Qu'est-ce que tu viens de faire Zach? Du beurre avec du miel, je vais rajouter. Le bon mélange beurre et miel. Ah oui. Pour les musselmen, c'est trop bon ça. Et il y a bien sûr les œufs à l'huile d'olive aussi que j'avais oublié, qu'on vient de nous amener. Ah là là, la table, on peut dire qu'elle est plus que complète. Limite à midi, on a un peu besoin de manger quoi. Voilà, ce mélange, c'est une tuerie. Vous savez qu'il y a Nono et Kenan à la salle de sport? C'est pas une blague. Salem, allez comme Salem. Voyons voir ce qu'ils font. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Allez, je vais vous montrer comment mon fils fait son sport. Mon bébé! Je suis hyper culottée après le petit déj que j'ai mangé, regardez. Ouais. Regarde papa comme il est fort, Kenan. Pour midi, regardez avec quoi on va se régaler. J'en mourrai d'envie. Le couscous marocain avec le chou. On l'a fait au poulet. Enfin, les cuisinières l'ont fait au poulet. On a choisi avec le bouillon. Je ne vous raconte pas l'odeur de la bonne pastèque fraîche. On va se régaler. Regardez comme il est beau. Bon, vous le rappelez un peu plus tard quand tu seras arrivé. On quitte tout le monde là. On les laisse chiller à la piscine. On va se faire un petit moment en amoureux dans un très très beau spa. On y va. Bien arrivé au spa. Raoula nous a bien accueillis. C'est le spa Maharaja. Et je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. C'est bon, on est en tenue, on fait en peignoir. Et on va commencer notre massage. Regardez-moi ça. S'il n'est pas juste sublime ce spa. Des pétales de rose. Nos prénoms. Ah mais là, ça va être un vrai moment de détente. C'est tellement beau.
cuillères et des pétales de rose de partout. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Ça déchire, hein. C'est trop beau. Issa. Ah, c'est l'hospitalité marocaine. Ça va. Trop beau. Et là, on va faire un massage des pieds avant de faire le massage du corps. C'est tellement apaisant. On va se mettre ici. Moi, je suis là. C'est parti pour détendre les petits pieds. Oh là là! Mais il y a tout qui est sublime! Oh là là, je vous l'ai dit hein, à l'écrit, on en a fait des spas dans le monde entier et des spas en tout genre, mais vraiment ils rentrent dans le top 3. Elles sont mais tellement douées, déjà tellement gentilles, mais surtout oh oh. C'est le petit truc qui va avec. Merci le spa. Non mais vraiment c'est un service qui est incroyable. Je vous jure, je suis vraiment détente quoi. Le meilleur hammam de ma vie je crois. Et là, on va faire le massage. Oh là là, bon allez. C'est en mode loukoum. On coupe, ouais, je te jure. Je te jure, c'est le moment de couper. Mais vraiment trop heureuse d'être là. On vient à peine de rentrer du spa là. Regardez ce que les cuisinières ont préparé. Des bons beignets avec des gaufres. Kenan, apparemment, il s'est régalé. Donc, bah, notre tour. Voilà, c'est l'heure du goûter. Avec un bon thé à la menthe aussi. C'est elle qui le prépare tous les jours. Et en parlant de thé à la menthe, moi, j'ai ramené avec moi Kyufi. Vous savez que Kyufi, je vous dis à chaque fois qu'on dirait un thé fait maison, comme la recette de ma grand-mère. Je vous le compare très souvent d'ailleurs au thé du bled, que ce soit thé d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, thé du Maghreb, quoi. Et c'est super bon. Et là, vous savez ce que je vais faire? Je vais remplir chaque tasse. Donc à la base, c'est ma tasse avec Nouré, puisque les autres, ils ont tous pris leur goûter. Une avec le thé traditionnel, donc qui n'a pas été préparé par moi, qui a été préparé par les cuisinières de la maison. Et une tasse avec le thé Kyufi. Et vraiment, croyez-moi, le goût est le même, puisque je connais Kyufi, et ça c'est le thé qu'on boit tous les matins, donc je connais le goût aussi. Et pour vous dire à quel point, c'est vraiment un thé fait maison au niveau du goût. Il n'y a pas de produits chimiques non plus dedans, alors ça ne prend pas le même temps de préparation qu'un thé traditionnel, mais le goût est le même, vous êtes sur un très très bon produit, et ici donc c'est du sans sucre. Mais vous avez la version sucrée aussi, de toute façon je rajouterai un petit sucre moi parce que je l'aime bien sucré mon thé, mais je vous dis, on se casse le nez, parce que le goût est le même, c'est comme du fait maison et sans aucun produit chimique. Donc là, le thé traditionnel, qui sent super bon. Et là, on va faire le thé Kyufi, donc c'est le sans sucre. Vous mettez un seul sachet avec de l'eau bouillante. Voilà. Pour ma part, je vais rajouter un sucre pour qu'il ait vraiment le même goût que l'autre. Et je vais venir remuer. Donc là, c'est le thé Kyufi et là, le thé traditionnel, donc fait maison. Évidemment, le goût, il est excellent. Il n'y a pas de surprise pour ça. Et le Kyufi qui est sans sucre à la base, mais dans lequel j'ai ajouté un morceau de sucre. Il est excellent aussi. Et on a l'impression que c'est une recette qui est identique en fait. Alors que le procédé n'est pas le même. Que là, il a suffi que d'un seul sachet avec de l'eau bouillante pour arriver à ce résultat. Ici, il faut quand même des graines de thé, que ça boue, de la menthe fraîche. Et le résultat est exactement le même. Et on est sur un excellent thé qui est fait maison là pour le coup. Et vous verrez que vous pouvez du coup, bah, n'importe où, prendre votre petit stick. Et être sûr, avoir la garantie d'avoir un très bon thé qui a le goût d'être thé qu'on boit ici. Quoi. Et vous pouvez le boire chaud ou froid d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Et pour en revenir à ces beignets, oh my god, ils sont excellents. Je crois même que je vais rester sur ça, les gaufres peut-être plus tard dans la soirée, mais alors là, une tuerie avec du Nutella toujours trop bon. D'arriver, tout le monde est bien beau, ce soir c'est soirée entre nous, vous avez compris que les mamans sont restées à la maison quoi, yalla, c'est parti. Exactement. Merci.
tiens pas chez lui.